regarde là, si elle veut assumer mes 140 kilos, ouais, c'est bon, elle assume. Elle est solide, mais elle veut plus avancer par contre. Merde, comment on avance quoi? Tranquille. Voir ce qu'un enculé, là, il arrive derrière à fond, connard, va. Qu'est-ce que tu veux, connard? Je te nique, moi. Tiens, j'accélère, nique mon moca, connard. Il est fumé, le pays. Petit con, va. Je me promenais tranquille. Regarde, frère OBM, c'est trop stylé. Quand tu actives l'aide au stationnement, t'as un mode ici qui s'appelle vue 3D, et en fait, qui va te permettre de voir tout autour de la voiture. Genre, c'est une dinguerie, ça te permet de parer les jantes, de pas taper l'arrière, tu vois, tu peux faire le tour de ta M4 qui d'ailleurs ressemble fortement à la vraie dans laquelle on est. Et ici, tu as même un mode station de lavage, donc qui te permet de voir d'en haut, tu vois, pour pas venir taper l'avant et bien rentrer, tu sais, dans la petite bosse dans les rouleaux. Donc c'est aberrant. Regarde, frère OBM, c'est. Vas-y. Allez, allez. Voilà, là c'est mieux, là. Carrément chez BM, je sais pas si vous connaissez, mais il y a ça, caring car, ça s'appelle. Donc en gros, t'as soit un truc pour te vitaliser, soit un truc pour te relaxer. Donc moi là, vu que je suis endormi, je vais mettre ça, Vitalize frérot. Et tu vas voir, ça va mettre de la musique. Merde, 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 il a mis la clim à fond, frérot. Regarde la clim. Merde, c'est aberrant. Ah oui, j'ai envie de tout niquer, frérot. Donc en fait, ça te met la musique. Regarde la clim, ce que ça fait, frérot. ABM, ils ont fait un truc de fou. Aberrant. Ah, ça marche pas, ça. Et du coup, ça, c'est censé te vitaliser pendant 3 minutes. C'est un programme. Et ça te met la clim dans la gueule, frérot. Donc, à part attraper une grippe, je sais pas ce que tu vas faire, frérot. Vraiment, je sais. Mais surtout ici. Tu sens qu'ici, il a vécu. Ah, les démarrages sur les pavés parisiens. Après, au passage, j'ai pris un petit clou. Mais surtout ici. Donc ça, en fait, tu vois, c'est mes pneus de RS6 et c'est suite à ma conduite écologique, tu vois. Il y a quelques petits morceaux qui sont partis.